Tu t'en es rendu compte en classe, quand nous avons commencé à apprendre à écrire les nombres, au-delà de 30, il faut que tu connaisses les noms des paquets de 10. Par exemple, 30, c'est 3 paquets de 10, la famille de 10 dans le tableau des nombres. On l'entend un peu dans 30. Dans la plupart de ces mots, tu te rappelles, on entend un peu le nombre de paquets. Comme dans 30, on entend tre et on entend ante qui nous parle des dizaines. Mais ça ne suffit pas toujours pour retrouver. Alors, ce qui peut t'aider, c'est d'apprendre à compter de 10 en 10. Pour ça, tu peux faire le jeu de Pouf dans l'eau de 10 en 10. Et puis, je vais te proposer aussi des petits jeux à l'oral. Alors, on y va. Je compte de 10 en 10 et tu répètes derrière moi. 10, 20, 30. Quarante, cinquante, soixante. Soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix. Cent. Tu peux imaginer qu'à l'école, tu as des pouvoirs magiques et tu sautes de palier en palier, car tu te rappelles qu'à l'école, entre chaque palier, il y a 10 marches. On fait un second jeu. Je dis un nombre et tu dis le suivant. On va voir si tu as bien retenu le nom des dizaines. 10, 30, 50, 70, 90. Normalement, si tu ne t'es pas trompé, c'est toi qui as dit le mot 100.